Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Ça va très bien, toi. Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu d'alchimie encore. Il y avait des curieux. Ouais. Oui, vous vous reconnaîtrez les curieux. Mais vous nous avez demandé, euh, vous nous avez demandé pardon, euh, est-ce que Omnat avec le, le nerf du coup qu'il a pris pour l'alchimie, est-ce qu'il est jouable euh, ou alors est-ce qu'il est nul ou est-ce que juste sa métal n'est pas favorable Du coup, euh, Val vous a concocté un petit deck euh, Omnat Ramp pour tester ça et on va découvrir ensemble bah, euh, ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut faire des trucs avec Omnat On a vu déjà des des, des shells, des coquilles euh, ressemblantes euh, être testées pour euh, notamment euh, bah, Refuge vrai euh, vredenset euh, et à la suite du festival, on a mis le petit Omnat et on va voir ce que ça donne, mais avant ça Val voilà a quelque chose à dire N'hésitez pas déjà à anticiper la confiance, à mettre votre meilleur pouce ça bleu si la, vidéo, euh, si la vidéo vous plaît. Alors en tout cas, vous ne le savez pas tout de suite, mais euh, j'espère qu'en tout cas à la fin de la vidéo, vous penserez à mettre un petit pouce bleu. Si ça vous a plu, ça euh, nous aide beaucoup. Euh, merci beaucoup. Euh, je vais pas mal tousser dans cette vidéo, j'en suis désolé, je suis encore un petit peu malade. On tourne quand même les vidéos pour ne pas prendre de retard et pour que vous ayez quand même votre vidéo sur YouTube. Donc si jamais je tousse, j'essaierai de me mettre en muet. Et voilà, je m'excuse par avance, s'il y a quelques gènes sonores, je, je fais au mieux. Voilà, je suis désolé. Mais il n'y a pas de souci. Euh, et également, merci beaucoup aux sponsor. Play in by Magic Bazaar, code Valet PL 2022 sur leur boutique, qui fait plaisir. Ça nous soutient quand vous l'utilisez. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Que demander de plus Merci à tous. Euh, et aussi, merci à Instant Gaming, notre sponsor. Euh, comme toujours, si vous voulez payer vos jeux oui, moins chers, qui... lien affilié dans la description, ça nous soutient également. Cette déclisse, du coup, bah, le Homnat, déjà, quels sont les nerfs, pour ceux qui ne savent pas, <coughs> qu'il a subi dans le gaming. Maintenant, il ne fait plus toucher de cartes quand il arrive en jeu. Il fait un regard 1 et il coûte un mana générique de plus. Euh, pourquoi il continue à faire un regard 1 Parce que s'il n'avait plus d'effet du tout d'arriver en jeu, on pourrait jouer Omnat et quand il arrive en jeu, jouer un terrain, et trigger sa capacité touche-terre de suite sans que l'adversaire ne puisse y répondre. Alors que là, avec son effet d'arriver en jeu, euh, bah, il faudrait qu'on puisse faire euh, arriver un terrain en éphémère pour être sûr de trigger l'effet, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, euh, enlever la draw en passer par un regard 1, c'est un, un double nerf, puisqu'on conserve cet effet d'arriver en jeu, mais en même temps il est moins fort parce qu'il ne se remplace pas. Euh, et le mana de plus bah, fait qu'il coûte plus cher à caster, euh, ça c'est assez logique. Autour de ça, Après, cela dit, je, je pense ouais. qu'on préfère avoir regard 1 que rien sur ce Homnat, pour le coup. Oui, il a toujours, ça fait quand même un petit peu de value, mais, euh, mais c'est quand même un, un bon petit nerf. Euh, autour de ça, bah, forcément vu qu'il coûte plus cher, on a envie d'encore plus de ramper comparé à avant. Euh, on a Florédron et Cobra de Lotus. Euh, Cobra de Lotus qui va être la, la meilleure des rampes entre les deux tours 2. S'installer dans les friches, très bon sort d'alchimie qui permet d'aller chercher un terrain de base, de le mettre en jeu engagé, puis de nous trouver, donc de piocher une carte de permanent avec une valeur de mana égale au nombre de terrains qu'on contrôle. Donc si on a 4 ou 5 terrains, euh, on va, quand on joue tour 3, donc on va avoir 4 terrains. Et quand on joue tour 4, on va avoir 5 terrains. On va forcément trouver Refuge Feydar ou bien euh, Omnat ou euh, vrain Seven, Donc euh, que des bonnes cibles à trouver. Et après, quand on a plus de terrains ça ne trouve plus rien, mais c'est pas grave. Nous, on veut juste... Le Curvé. D'ailleurs, n'hésitez pas à le jouer avant de lander si jamais vous le trouvez plus tard pour ah, éviter de, vous, euh, de ne rien trouver. Justement, on essaye d'avoir assez de terrain. C'est ça qui est très difficile avec cette décliste-là. Pourquoi cette décliste n'est pas méta Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas tirin Et pourquoi est-ce que Omnat ne brille pas en alchimie C'est à cause de la contrainte sur les manas colorés. Voilà, c'est un deck qui est quadricolore, mais qui veut jouer une énorme base de verre. Donc du coup, c'est très difficile d'avoir les comptes de mana. Et en plus, avec s'installer dans les friches et les étendues sauvages pour fixer votre mana, vous êtes obligé de jouer beaucoup de, de spells basiques, de terrains de base, pardon. Et donc du coup, voilà, on a trois étendues sauvages et quatre s'installer dans les friches pour six euh, mana basiques. C'est le mieux qu'on puisse faire pour fixer notre mana et en même temps avoir assez de cibles à la fois pour les étendues sauvages et pour les s'installer dans les friches. Mais il est clair que si vous comptez jouer vos quatre s'installer dans les friches, il y en a forcément une à un moment qui va pas toucher de land. C'est pas très grave, comme l'a dit le plus important c'est que ce soit la première qui touche. Et, euh, et voilà, et le but c'est essayer de, de fixer son mana au mieux. On rappelle qu'on a vraiment un deck mono vert qui se plage trois couleurs, ce qui est un peu compliqué. quoi. C'est euh, coûteux, comme on dit. Euh, c'est très très coûteux. À côté de ça, on a un peu de gestion avec un pack de fracas crâne qui est aussi un terrain et euh, quatre blum fuminants, parce que les decks dragons, surtout ceux qui nous demandent de supprimer euh, nos landes, ils font pas plaisir. En Saido, euh, on, euh, on a un peu deux, euh, deux maisons. On a la maison contre-sort, double botte dédaigneuse, deux épreuves de talent, une négation. Et la maison gestion euh, deux mains brûlantes, deux cendroclasmes, une fissuration et trois incendies à la maison. Parce que même euh, si jamais on gère les créatures de notre board avec incendie à la maison, on peut repartir avec les refuges félidars, les vraines, etc., les assauts du festival. Euh, on peut facilement hein, rebuild derrière, donc c'est pas du tout un problème. Et euh, on a également deux comas qui vont bien venir en kiquiner, des jeux midrange si ça existe euh, ouais, et ouais, des les jeux troll voilà. Ouais, c'est important d'avoir botte dédaigneuse parce que dans le format, un des decks les plus représentés, un des meilleurs decks, c'est dragon. Euh, Peut-être que les quatre blames fulminants qu'on a dans le deck ne suffiront pas à arrêter euh, l'assaut des dragons. Donc, botte dédaigneuse, c'est un peu ce double spot où ça vient à la fois euh, respecter les decks dragons et en même temps se bien se positionner contre les decks midrange ou les decks contrôle. C'est une des meilleures cartes de l'alchimie euh, actuellement. Cette botte dédaigneuse, ça vient mmh. même interdire les captains euh, ceux qui vont chercher des glasspool mimiques pour retrigger leurs effets. Donc vraiment une très très bonne carte qu'on pourrait peut-être essayer d'intégrer dans le main deck si on devait cutter que dans quelques ratios. Peut-être en enlevant un vrai, un assaut du festival, ça rendrait la, la deckliste un petit peu plus euh, conscient de, du monde qui l'entoure, si je puis dire. Yep. C'est vrai que Là, le plan du de de main deck, c'était vraiment d'être all-in, de faire ce que le deck doit faire et on s'adapte après side. On mmh. est quand même obligé d'avoir 4 blames fulminants parce que le, le format alchémie est très créatureux et il est clair que si jamais on ne gère pas ce que fait l'adversaire, on va se faire dépasser. Yep. C'est trop important pour gérer les 2-4 des decks clairs ou alors pour gérer tous les dragons. Euh, en plus de ça, euh, bot, si jamais, euh, ça marche sur les dragons qui ont un coût réduit, parce que leur euh, valeur de mana est toujours de 4, même s'ils coûtent moins cher. Donc vous pouvez les contrer avec bot d'énigneuse, et c'est pas un contre qui arrive au tour 4, du coup vous pouvez l'utiliser bien plus tôt. Euh, bah vous pouvez l'utiliser dès le tour 2, si jamais l'adversaire a fait tour 2, le petit dragon qui réduit les coûts, et tour 3 un dragon, bah vous à votre tour 2 vous pouvez faire bot. Voilà, voilà, petit disclaimer, ne craftez pas ce deck, on teste pour vous justement. C'est notre liste, elle n'a pas été beaucoup éprouvée, il y a beaucoup de théorique, C'est une liste qui a été buildée sur le papier et qui n'a pas eu le temps d'être trop tryhard sur le, sur, le, sur le ladder, même typiquement pas du tout pour le coup. Donc vraiment, euh, faites-vous un avis en regardant cette vidéo et conservez vos wildcards. Euh, on aura de la data et des tournois très prochainement parce qu'il y a un MIQ qui arrive en alchimie, Donc soyez patient pour ceux qui n'ont pas beaucoup de jokers. Yep, c'est parti. Let's go. Alors qu'est-ce qu'on a envie d'affronter Je pense des decks euh, midrange mou. Des decks créatures mou, ouais. Idéalement. Deck contrôle noir, c'est pas trop mal. Euh, c'est <coughs> ouais, vrai qu'on risque de faire euh, trop de value pour eux. Deck contrôle noir, ça va bien se passer. Deck créatures mou, ça va bien se passer. Euh, tout ce qui est euh, dragon ou mono blanc agro, euh, ça va être compliqué. Deck ouais. clair, notamment aussi, ça peut être euh, ça peut vite dégénérer. L'avantage de notre liste, c'est qu'on a je connais un petit peu le format, donc du coup j'ai quand même inséré quelques cartes, notamment dès le bien deck se... qui vont bien se débrouiller contre ces decks-là, mais bon, c'est les decks rampes, hein. tu peux piocher toute ta partie rampes et pas ton accélération et, et juste bon... mourir bêtement mmh... a... T'as pas d'accélération, mais t'as une gestion et refuge, c'est gardable ouais. J'allais dire, on a une main qui est correcte qui n'est pas ce qu'on veut faire typiquement, mais bon vu qu'on est en réaction, c'est l'adversaire qui commence à avoir son ce blâme, c'est quand même pas mal <laughs> Euh, Peut-être que je vais jouer cet impact en land là. Ouais, tu vas jouer cet oh. impact en land. Ouais. Ça te permettra d'avoir une gestion tour 2, de faire ton s'installer dans les friches tour 3. Tu oh, pourras même d'ailleurs le, le retarder pour aller chercher une, une Vren. vren. L'avantage de Vren, c'est que c'est une vraie option contre tes decks dragons, d'avoir un, un gros token qu'à la portée. Mm. Vraiment intéressant. Donc, c'est okay. pas un deck qui est totalement dépourvu de sens. Sul visiblement. Ouais, il va chercher du coup uh, Binding the All Gods pour gérer ce qu'on propose. Ça sert à rien d'aller chercher un deuxième refuge, moi je trouve. Hein. Ouais. On passe ouais, juste. Je juste. Ouais. C'est que du coup, le tour prochain, on peut refuge et tour d'après s'installer dans les friches qui va trigger refuge et nous piocher un, un Omnat ou l'autre. Ouais. On est recherché chercher une île. Après, il, il a été chercher un Binding, The Old Gods. Ok. <laughs> Alors, je sais pas du tout à quoi sert cette carte-là. Je doit vais pas etc. Pour les mettre au cimetière et... Euh... Ouais. Et avoir des 6 à l'infini. Bon, on va refuser. On va devoir jouer, jouer. refuge, mais on va prendre Binding dessus. C'est à peu près clair que les versions Sultai jouent euh... Euh, s'évader dans les friches, s'installer dans les friches pour aller chercher Bending the Old God. Et là on est très derrière. Si on se fait gérer refuge on n'est pas content ouais. Hein. Ah bah, je vois pas quel drop 4 ils vont chercher. Voilà. Ouais. C'est sûr. C'est la meilleure interaction que tu puisses faire en Sultai. Ok bah, je peux refuge land. Je refuge land, ça te met un 2-2. Mais derrière, tu peux plus faire s'installer dans les friches dans aucune cible. Ouais. Donc, non, il vaut mieux faire s'installer ici. Hein. Je peux s'installer blâme sur la 2-2. <coughs> tu veux pas garder double blâme sur la 6-6 Je peux aussi, ouais. Après, là, euh, je fais pour 3, je rentre de 1, je pioche un truc. Ouais, ouais. Après, c'est pas grave, hein. En fait là, il peut juste défausser un land, en rejouer une, et du coup, comme on leur aura 6, même si j'en gère une, on est mort. Ok. Bon, D'ailleurs, je vais faire ça. Ah oui, on ne choisit pas, je veux dire, on ira chercher une île, mais non. Euh... Bah vas-y du coup, hein, si tu veux tuer le, le furteur. Je pense qu'on n'a pas besoin de double blanc. Non, non, euh, la, la, la decklist c'est vraiment un, un mono vert qui splash les autres couleurs, donc on n'a pas de double coloré, à part avec des comas dans le side. Ouais. Fait qu'on gagne 4 PV avec le mais euh, avant de le piocher, on ne pouvait pas savoir euh, si on allait gagner des PV. Oh bah il joue ça euh, en rituel, comme un sale. Ouais bah il a bien raison, on est full tap. Ok. Une decklist approximative mais qui fonctionne. Je peux à l'assaut, mais bon. <coughs> il faut trouver des trucs. Ouais, C'est pas mal de faire à l'assaut, hein, ça peut te sauver. Hein. Je peux Omnatland et on gagne 4 PEV. Et tu blâmes ça à 1-2 Et je peux blâme ça à 1-2, ouais. Ok. Vas-y, vas-y. Comme ça, t'auras un assaut plus puissant le tour d'après. On va scry 1. Tu veux le garder, tu veux l'ander dans le ouais, 3, je crois que Tous les landes sont bien là. 4 PV. On va reprendre 6 points. Et, et là, en vrai, on peut commencer à faire des bêtises. On ouais. peut. Une possibilité, quoi. On n'est pas si mal. On n'est pas si bien non plus, hein. attention. On n'est pas si bien. Il a une main garnie qui coûte pas cher il a plein de mana. Oh, ça sent Autant commun, notre ça. deck c'est un deck pizza, euh, le sien c'est un deck tacos aussi. quoi. Euh, ah, il la rampe, découvrir la formule. Bien joué. Pour deux manas, <laughs> bonne carte. Bah ben, ouais. Hein. <coughs> et bah ben, à l'assaut, et on espère trouver un truc cool. Ouais, je crois que t'as pas trop le choix ici. Et bah ben, un petit cobra, écoute. Petit cobra, petite croisée. Croisé en VR Ouais, ouais, ouais. Le, faut, faut penser à les mettre en bleu quand t'as quand as coma, mais on est on est preside donc. Tu, tu préférais pas faire un scry Ah, si, si tu scry avec, avec lui là. Et Rudage euh, okay. et refuge. V oh, y a un. Dégage notre désactif là, blanc refuge. Bon, Et il si a un petit bête perdu. On est mort. C'est pas très difficile pour lui d'avoir un anti bête ici. Ouais. Ah, il a rampé dans un moyen de pression immense euh, tour 4. Donc, euh... ouais, ok. Vas-y, on va passer après. Side, ok. On va bien rentrer les contres. Ouais, on va rentrer euh, euh, pas les épreuves de talent, seulement les negates et les bots, et tu vas rentrer aussi les deux mains brûlantes. Ouais. Les comas. coma c'est bien. Euh, ouais. Qu'est-ce qui est on pas On va bien sortir deux à l'assaut du festival. Ouais. Une carte qui tricore pas sur coma Tu vas sortir aussi des blames. Les, les quatre. ouais voilà, oh, tu peux sortir les quatre. Quatre. Il faut que je cut encore une carte. Est-ce que Vrenne c'est pas mou contre lui Ouais, tu peux enlever une Vrenne. Let's go. Allez, ça peut le faire. Ouais. Ah c'est vraiment la 6-6 qui était un peu ingérable là, qui, nous a... qui nous a mis dedans. et peut-être que tour 4, le, le play c'était double blâme sur 6-6. Après il peut juste défausser land pour en rejouer, mais. Ouais. J'ai un scry 1, je pense que je la garde. Ouais, c'est gardable. Faut que tu le mettes en bleu par contre. Mmh. Pour essayer d'anticiper un coma. Ah, bah non, on commence. Donc, j'ai pas, le... pas le choix. De <coughs> bon, toute façon, on voulait un Scry 1, mais c'est quand on commence pas qu'on a le choix. Okay. ok, nice. Alors, c'est un plaisir. deck qui a beaucoup de landes. Hein. On a 32 landes avec les Dual Fast Cards. On en a 26 plus 6, 6 DFC, pardon, euh, 2 impacts et 4 floredron, Donc, c'est normal de piocher beaucoup de landes. C'est ce qu'on veut faire quand on a omnat sur le board. Hein. Donc, pour ceux qui jouent le deck et qui se plaindraient d'avoir plein de landes, c'est la norme. Bah, S'il si a, a accès à un ramp avec s'évader, euh, s'installer dans les friches, là, il va nous prendre de, de vitesse. Non, ça va, ok. Je peux casser on ça. On gérer ça euh... ou pas bah, Si on le casse pas, il peut jouer la 6-6. Après, s'il la joue, on peut tuer la 6-6 aussi. Mais Ouais. Hum, disons que là, tu retardes la 6-6, mais tu retardes aussi tous les autres plays qu'il peut avoir. Ouais. Ça, ça, ça se vaut. Franchement, ça se vaut. Ça me va de gérer ça maintenant. Ça te laisse le champ libre pour développer Hamnat le tour d'après. Ouais, je crois que c'est pas mal. En fait, du coup, on sera pas en réaction, mais on euh, peut rester proactif potentiellement. Bah, ouais, lui, il joue que des 6-6. Bah, il a bien raison. Lui, chaque combat, s'il est dégagé, n'importe quel sorte pour sacrifier une créature. S'il fait ainsi, engage Gitrog. Je vois qu'un terrain. Bon, on s'en fout, on va juste prendre 6 un petit moment. Oui. Alors, vert, blanc, rouge, bleu. Donc là, je peux mettre ce que je on... veux. Ouais, en, en bleu, bleu du coup. Euh, Omnat ou Vren Bah Vren là il va faire un token 5-5 Donc du coup ton Vren ouais. il va mourir Vous me passez passer par Omnat, non Plutôt Omnath tranquille ouais C'est pas mal ça Ça c'est double land drop ton prochain si tu peux Omnath Ouais ouais Ça fait quoi d'avoir deux landrop Ça fait coma Un tour plus tôt Dès le tour d'après là ça fait coma Ouais c'est pas mal. Attends, pourquoi ça fait Coma Tu landes une fois. Et ben je double land, je fais 4 mana. Et du coup, je peux jouer Coma. C'est pas triple land pour faire... Euh... Non, non, triple land, c'est 4 dégâts. Ah d'accord, ok. Ah bah ouais, ouais, ouais. Dans ce cas, oui. Pardon, je croyais que c'était le troisième effet d'ajouter du mana, mais non, est... Omnat est... est bien fumé, quoi. Je ne sacrifie pas Omnat. Non, non, tu vas bien pas sacrifier. Le troisième ouais. effet, il est un peu anecdotique. Anecdotique, mais en, en multijoueur, euh, c'est bien aussi, hein. je le dis. Ah mais j'avais oublié que son meilleur bien. effet était le deuxième et pas le troisième, c'est vrai que du coup sur chaque fetch tu t'accélères. Mm. Bon évidemment il l'a. C'est ce qu'on risquait hein, à garder ce land hein, quelque part. Euh... Eh bien oui allons-y. Je... Hein. je le joue. Ouvrain. <coughs> Token 6-6, on va bloquer ça 6-6. Hein. Yep. L'avantage c'est que lui il a des gestions ouais. clean à ce qu'on propose, notamment des bindings, c'est une des forces de son deck. On a un meilleur late game que lui mais il a des meilleures gestions quoi. C'est fou que son plan de jeu ça soit de mettre des 6-6, je trouve ça très amusant et en même temps ouais. un peu naze. C'est très honnête. Ouais, on va refuser hein. Yep. Ah il a la menace. Ah ouais, c'est la menace. Ah putain mais fallait sacrifier ton token du coup. Ah hein. oh, putain il a vrai aussi. Euh... Oui c'était mieux en fait. Je, sais pas, je me suis dit que garder le, la CC c'était cool mais. Ah bah pas tant que ça. Vu, vu qu'il a la menace pas tant quoi. Je je savais pas pardon. Déjà de bleu. Écoute comment, hein, let's go. Yep. Euh... Oh je pouvais pas cliquer, il y avait les serpents devant. Alors là ils ont le death touch, fera attention sur tes blocs. Est-ce qu'on veut pas en taper un du coup euh... vite oh merci? Non, on pas lent, se hein. Mais putain genre ils joue Tox Mais quoi Mais comment t'as la place pour jouer autant de, de créatures dans ton deck ramp Autant de pâté. Je sacrifie rien. Non non tu cliques sur rien, en fait t'es obligé de garder ton serpent pour protéger coma. Forcément lui il s'en balèque hein. Du coup là je peux faire ça. Et ça. Non il a le death touch. Il a le death touch. Ah mais du coup je sacrifie lui, il est indestructible et je bute Gitrog. Ah ouais mais il bute ta 7-7 quoi. Tu préfères, oui. tu préfères lui buter le Githrog Du coup je bloque juste comme ça je sais pas, je demande. Ah si j'avais pas de bloc, il fallait que je sacrifie pour engager. Ouais c'est ce que je t'ai dit, moi je pensais sacrifier pour engager. Ah tu me l'as dit ah, excuse-moi, j'ai pas entendu. Ouais. Non mais vas-y, fais ton fais ton play dans ce cas-là. Juste qu'on est battu par antibat, quoi. Ouais, après je... il a pas l'air de jouer trop en éphémère quoi. Ok. Ah si il en a un remarque. Euh... Instructible, tac. Ok, ça passe. Ça passe, ça passe. C'est marrant, a la place... il joue à la fois la clé et à la fois le binding, ce qui est une extrêmement mauvaise idée parce que du coup quand tu fais ton s'installer dans les friches, eh ben, t'es pas sûr d'avoir ta gestion. Ouais. C'est où tu joues archive et tu de maximiser ses effets, ou tu joues binding. Tu vois, pour aller tuer sa, sa bébête, c'est pas mal. Mmh. Sa bébête, son euh, Son vrai. Et fin de tour, hein, je lande land pas. Tu veux pas lander Pourquoi Il n'y a pas de meilleurs effets à garder nos landes Peut-être pas deux, remarque. Ouais, pas deux, hein. Au moins un, c'est sûr, mais... Il y a à la sauve-festival qui coûte 10, donc ouais. C'est ça, tu vois, rien que pour l'assaut du festival, tu peux être incité à, à monter en lande sur ton, sur ton board. Ça, c'est bien relou comme carte. Hein. Yep. Mais je euh, me demande comment il a fait trouvé pour jouer tout ça dans son deck, gros. Je sais pas, je regarde depuis tout à l'heure, mais il a bien 60 cartes, hein, comme nous, donc... Euh... Bah, il a ouais, des fois deux partout, quoi. Sylvain. Euh, là, du coup, on va l'engager son 10-10. Hein. Bah, S'il si attaque, je bloque, puis je sacrifie, j'engage l'autre. Hmm. <coughs> je pourrais engager Vrain. <coughs> Vas-y, engage le Vrain. Comme ça au moins on est tranquille. Ah ben non. Putain on peut piocher des actifs nous sans déconner euh, ben, J'attaque avec les deux dans Vrain, il est obligé de le perdre. Ouais. C'est effectivement ce qui va se passer. Le problème c'est qu'on va reprendre encore un hein, l'assaut du festival le tour d'après. Ah ouais là on manque les coups, hein. Je vais mettre le petit cobra au cas où. Mm. Et je vais garder mon land promenade. Ouais ouais ouais. Là, c'est refus du Félidar qui nous ferait gagner. Après, Coma en l'état, il va avoir beaucoup de mal à gérer avec trois serpents s'il a pas d'exil. Ouais, mais ça peut ne pas suffire quoi. Sous les coups des 11-11, nous tomberons. C'est ça le problème. Là, tu peux au moins en engager une, je pense. Ah, bah ça va pas suffire du tout, Coma. Ah, quelle chiasse. Après, on a des contres. Euh, non, même si oui, tu on contre, contre la, de la deuxième fois. partie, c'est bon. Si c'est la deuxième, il faut contrer. Ouais, ouais, je si jamais. Tu la première, ça ne sert à rien, mais si tu comptes la deuxième, c'est bon. Ah, t'as pas engagé Bah, pas... Ouais, je peux bloquer, c'est pareil, non Ouais. En fait, je peux bloquer et engager l'autre truc, donc c'est mieux. Oui, s'il n'y a pas le piétinement, effectivement, t'es pas incité à engager pré-combat. Bah écoute, faut tuer vite. Hein. Ah, il faut tuer bien vite. Hein. Et en plus, il y a cette 7 pèves, le monsieur. Donc, euh, c'est nickel. Qu'est-ce qu'il a comme permanent qui fait euh, 2 mana Ça. un petit furteur, tranquillou nous on n'a pas accès à ce furteur parce que la mana base le supporterait mal oh ah. ça c'est bien euh, je suis ah, deuxième rouge deux oui. hein. je peux tuer les deux 11 11 oui bah je tente oui. hein ah bah oui hein. tentons hein. si sa dernière carte c'est botte dédaigneuse euh, j'accepterai d'avoir perdu cette partie euh, contre un adversaire de, de bonne qualité Alors comment on peut payer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je mets tout vol. Ah oh bah, tu vas mettre, oui, oui. Là. Bien tout, tout, tout. Et voilà. là. Ah non, Hop, non, mais tu là. mets 11 et 11, qu'est-ce que tu fais Merde. Oh, putain. Il a failli me faire une dingue. Je peux Oui, tu attends. C'est 16 et 16 que tu mets. Je peux pas aller au-dessus de 15. Ouais, comment ça se fait euh, x sûr, hein, si X supérieur ou égal à 6, 2 fois X. Ouais, donc tu peux mettre 2 fois 8. Donc 16 en tout. Mais je comprends pas, attends. Ah non, mais mais, mais, mais 11 et 11. Hein. Tu tues les deux, hein, normalement. Mais ça marche pas. Bah si ça marche, pourquoi ça marche pas Attends. Je suis pas con. Cool, ah même. non, putain, tu, tu peux mettre que 16 en fait. Ouais, je vais mettre 16 en tout. Ah oui, tu mets que 16 en tout, pardon. Bon bah vas-y mais ça dans tout. On hein. euh, va là, sur furteur, quoi. Et là. Et puis là j'en mets un peu plus. Voilà. Ouais. Ah oui putain non tu peux pas tuer les deux Ronsons je te dis n'importe quoi. Disais, mais qu'est-ce qui se passe oh qu'est-ce qui se passe qu'est-ce ah, qui qu se passe j'ai envie de crever. Hein. Dernière dit, carte hein, en main. Botte. Dernière carte en main botte. C'est <coughs> une bonne carte dans le format c'est c'est legit qu'il l'est hein. oh. Avec ta six, juste. j'aurais 2-3-3. J'aurais 2-3-3 encore. Donc je peux. Ok, ok, ok. Et au top deck, à un moment, si les dernières cartes, c'est bot, il top deck anti bête bah bravo quoi. Il n'est pas tellement au top deck avec son. Euh, avec ah bah tiens, son à l'assaut du festival. Il va ouais, faire à ouais. l'assaut, qui va enlever pile 5 cartes et tour d'après, c'est approche. C'est bien la vie. Hein, Est-ce est est euh, il remélange pas son deck avec assaut non, il est mis en dessous. Ouais, bah Il va gagner cette game. Bien joué. Ah, oh, tout se met bien, c'est très agréable. Bah, la différence entre son deck et le nôtre, c'est qu'il a Discover de formule, en fait. Bon, tu peux partir. Hein. Attends, Val, on peut top decker contre. Oui, c'est vrai. Ah, en vrai, attends. Il a pas de source de blanc, hein. À l'upkeep, je peux engager ça en sacrifiant un serpent, il joue pas son approche. Il est vrai, bien vu. Eh, hey. <laughs> hey, ça réfléchit ou quoi Oh mon go. Mon go. Réfléchis. Vas-y, bah, faisons fait ça, ça alors. C'est vrai que je n'ai plus tellement d'espoir, mais. Euh... Mais quel garde d'espoir il vale. encore un peu, ouais. Garde d'espoir. Parce qu'en vrai, on met neuf partout, hein. lui, il fait rien. Ah c'est vrai. Tu dirais que lui il est nul. C'est ça que tu dis? C'est dur, on va le dire nul, mais. Mais c'est ce mais que tu va. dis quoi. Ça va. Mais pourquoi non. sa dernière carte en main, c'est ça Non mais qui pioché en fait, il vient de la top des quais, comme un grand. Coma, bah ouais, bah c'est long hein. Mais du coup, ça nous enlève du beat down. Ah ouais, ouais. Et il cria mes couilles. Allez, arrête. Arrête de faire des trucs. Stop. Il y a peur qu'on le meule. Et nous, les terrains, ça y va. Ouah, con comme ça y va. Oh, ils sont là, con. Et du coup, je peux plus trop bloquer. <coughs> euh, je peux plus trop attaquer, pardon. Euh, bah, au moins avec coma, de toute façon, non Bah, non, parce que je dois sacrifier un serpent à l'équipe. Donc, si je dois bloquer l'autre 11-11, il me faudra coma. Bah, le... ouais, tu prends 11, non Ah oui, non, mais oui, non. Effectivement, sinon tu meurs sur le. S'il attaque avec tout. Euh, bah, en tout cas, ça me met dans une position pas ouf, quoi. Ah, bon, j'adore. C'est euh, tranquille. Cette game, c'est déjà un classique. Engager un permanent. Ça. Sacrifier ça. Et je fais quand même mon serpent. Ah. On n'a pas pioché que des landes ou des merdes euh, depuis le début. Euh oui, bah quand on a pioché un anti-bet pour euh, gagner la game, euh... Il avait botte dédaigneuse. Il a... Ah putain mais ça ça fait un malade n'importe quelle couleur. Ah bah GG. Avec ouais, j'engage les deux. Oh, ah ouais de toute façon on l'avait perdu. Et nick. <laughs> ah, je croyais que ça faisait que euh, le mana qu'il qui possédait, mais non pas du tout. Non non Ah mais... oh, Et bah ben, dis donc, j'ai déjà envie de crever ça va vite, hein? C'est vrai que Disco Discover the Formule, c'est autrement plus fort que ce qu'on fait, en fait. Oui, et puis bon, moi aussi, je peux jouer que des CCM 7 ou plus et m'en sortir, voilà. Non, mais on pourrait essayer de revoir un plan de jeu où on a des Omnats Oups. et aussi Discover the Formule. Ça demanderait du coup d'avoir deux bleus. J'ai double cliqué. Il faudrait avoir une base Simic qui splasherait euh, Boros. Impossible. Tout, hein. tout un programme. Oh oh, On joue contre Zayed. Zan. Lui, c'est joué. Alors, Zan, il était top 1 du ladder Mythic Alchemy en jouant Abzan Midrange. Euh, alors, ne vous fiez pas au nom. C'est Mono Noir qui joue des cartes vertes et blanches. Mono Noir contrôle. Neigeux. Oh, je kiffe. Vas-y. Il était top 1 du ladder euh, au jour de Noël, le soir de Noël, je crois. Donc, le mec est fort. Ou le mec joue. Ou le mec joue. Ou alors il joue fort. En tout cas, il y avait un peu de, de bait parce que quand tu vois sa liste qui s'appelle Abzan Midrange, tu là en mode oh incroyable, je veux voir, et tu es vite déçu quand tu vois la gueule quoi. Ok. C'est Omnat tour prochain, Fro. Et non, c'est plus une bonne carte. Je pense que les gens commencent à. Ok, il joue son deck Abzan. À comprendre. Donc c'est un mono noir avec du blanc et du vert. Notamment pour des cartes comme le vieux tang. Est-ce que je blâme là, ce space Bug Bah non. Il ouais. s'en fout de lui hein. Now... Un sankag. Je fais omnat ou vrai non premier contre lui Omnat. Omnate. Oh le Mimic. Ah Ok, il joue une version Esper maintenant. Il a changé. Avec des captains, j'imagine. Il est On sur date, tous hein. les fronts, Sosa, non Ouais, ouais, je ferai homenage, moi. Sans trop me soucier du lendemain, si tu veux. Ne te soucie jamais du lendemain, Val. Mais non, jamais. Mon prochain, <laughs> c'est Étendu sauvage, coma. Mendek on va pas pouvoir mais l'idée était là. Il a l'air mou, il a la voix fatiguée. C'est tout bon pour nous ça. Non, touche pas Omnat, s'il te plaît. Oh c'est déjà, oh, déjà chiant à caster. Oh putain, forcément. C'est déjà chiant à caster, le tuer pas comme ça quoi. Non mais je vous le dis, eh, hey, spoiler, Omnat c'est une grosse merde. Voilà. Oh, putain. Je vous le dis. T'as dit les, les termes. Ça, bon. Ah je veux les termes. Il est éclaté, euh, Amnat. Des fois, bah, c'est la vie. Hein. <coughs> <coughs> oh, je fais 0, je pose deux landes. Euh, mana, mana, blâme sur ma chanson. Non. Okay. Dommage. Hein. Ah, mais je peux. Tu peux attaquer avec Cobra. Hein. Ah, tu crois Ah, bah, on trade nous avec ma chanson sans problème. Ouais, c'est pas faux. Avec Mai Sang, je l'ai pris en draft euh, l'autre côté. C'est tante Mei. Invocatrice d'Omochiroi. En japonais. C'est joli ça. Hein. As-tu ah, ah, investi tiens Ah ben oui, tout de suite. Ah. Tout de suite. Je suis allé jusqu'à en jouer dans des decks qui ne jouaient pas des jeux. Ah oui, histoire de bien mourir sur Redan. J'ai dit c'est pas grave si à Redan, c'est le prix de la beauté. Faut s'offrir ah, pour être beau. Okay. Intéressant. Je bute je, un peu je ou pas. Non, tu veux chercher des lendo. Droin. Oh petit tasseau. Ah petit plaisir ça. Le tasseau de 12. Attends. 6, 7, ok, je peux faire l'assaut du festival. C'est pas vrai. Mais imagine. Ouais, tu peux tuer peux, tu Maïsan si tu veux. Y a rien d'autre. <coughs> a rien d'autre à tuer de plus important il y a toujours plus important, mais... Alors je garde. Mais, tranquille. Mais c'est important, tu vois. Soyons conservateurs. D'accord. Si je vais non, garder, il faut pas que j'attaque. Mais non, qu'est-ce que tu fais que ta deux Ah, Autre je avec... rigole. Voilà, bah, avec... Tu me fais peur, gros. J'ai pas la okay. souris, donc forcément je suis en PLS. Si je te match 100, en vrai, je pourrais attaquer avec la C6, du coup. Quand il bloquait, que fantôme, il en rejouait. En elle n'a pas la vigilance, la 6,6 6, -6 Non. C'est dommage. Ça apporte le café, les croissants, mais ça t'allume pas la clope, quoi. C'est pour ça que c'est pas joué, voilà. J'avais pas vu que Sylvain, il avait vraiment une gueule... C'est un humanoïde. et une bonne barbe rousse. Une bonne barbe. Hop, ça dégage... Pas de problème. On a un petit l'assaut du festival qui fera son travail. Yep. D'ailleurs, J'en ai plein le cul, piocher les gens. Ah ouais tu vas me chercher une petite plaine là ça commence Mais euh, à me... Je vais pas le faire et tour prochain 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, Oui, tu pourras faire ton assaut euh, Non je pourrais pas Parce que tour prochain je vais chercher bah, Donc, si. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 9, non il manquera un malin Ah ouais Bon bah tu m'aïs alors Oh, vas-y, tu mets il ah ça. Ah, vas-y, vas-y, t'as raison, c'est de la merde, là, ça m'a saoulé. C'est bon, là, mais lui 9 points, là. Putain, qu'on rigole au moins. Ah, regarde comment on se marre, là. Bim, bim Mec, putain, faut qu'on se fende la poire, là, deux secondes. Oh, casse-noisette. Paf On est en 2022, moi, j'ai envie de rire à gorge déployée, ok Il n'y aura pas une vidéo où vous allez pas être MDR. C'est col. C'est les bonnes raisons de le lol, quoi. Genre, comme sur celle-là. Énorme marade. Ah là, je pense que la game 1, vous avez dû être en mode euh, ha, énorme. Il a tout. Lui, il trouve Mimicus. Hein. Je dis, ça c'est Mimicus. Quoique non, ça prend du temps, donc peut-être pas. Ouais, si c'est Mimicus, je peux t'assurer oh que le clip, le clip va très vite. Il a failli. Mais il. non. Mais oh non, son comme... deck est naze. Mais comment est-ce possible Comment est-ce ouais, possible quand, est tu... quand tu montes mal un deck. Non non, qui je vais bah c'est même. Oui je peux. Sept, Donc là tu me dis qu'en faisant étendu, étendu, tu fais pas l'assaut. Bah non parce que j'ai 6 mana 5, 6. 7, 8, 9. Il faut 10. Je, je, je suis déçu. Ou très oui. scandalisé. Let's go. Comment, ah, genre, comment il peut foirer son premier captain C'est improbable. Il a oui. quoi dans l'exil Non, il est bloqué. Euh, une bête. Une bête. Mais ça veut dire que son deck n'est pas fonctionnel. Attends, il y a un truc que je comprends pas, je suis con ou quoi euh, Attends, on va lire la carte val. Tu me laisses deux minutes Oh, je fais ça. Attends, mais... Ouais. Ou <coughs> attends, 1, 2, 3, 4. Ça va pas chercher grand chose, ça, les étendues là bientôt. Ouais, faut qu'elle puisse aller chercher au moins... Euh, non, ça va, il y a 6 basiques. Non, ça il va. est où Il est où, Capitaine S'il y a au moins 20 cartes de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi les cartes de votre cimetière, ouais. votre main et votre bibliothèque. Il avait zéro cartes sur le board et une carte en exil. Ça veut dire que son deck est mal monté, il s'est trompé. Bah je crois, hein. C'est notre chance, Val. Quand ça t'arrive, tu te sens bien bébête, quand même. Hein. Allez, tiens, regarde bien notre main, elle est bien naze. Elle est nazoïde. Est-ce que tu dirais qu'elle est nazoïdale C'est une courbe une courbe nanoïdale, elle tend vers moins l'infini. Il faut que je trouve deux basiques là-dessus, sinon, euh... faut pas jouer à l'assaut encore. Mais pourquoi tu trouverais pas deux basiques là-dessus Il y en a encore Il y en a six. Une Ah, ben c'est bon, celui-là, il trouve plus rien du coup. Ouais. Tu dis ça comme si c'était large, alors que c'est juste pile-poil. Mais non, parce qu'en fait, même si tu pioches un basique là. Juste en fetchant un seul land et en posant ta montagne, ça suffit pour faire 10. Ah bah de ça, je vais jouer même 11 mana. Ouais, donc c'est bon. Large en fait. Mais du coup, je vais les chercher maintenant ou pas Large Non, 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 vas-y, tranquille. Si je pioche basique, c'est chiant. Bah même si tu pioches basique dans un contexte, c'est bon. Si je pioche pas chic. C'est la pioche magique. Bon, Zan, qu'est-ce que tu bricoles? Enfin, tu Commence à nous les péter, mais un peu. Alright. Donc, je peux faire <laughs> ça. Montre-nous comment on fait, PL. Vert. Moi, je, je sais pas. Je te je montre Je sais pas. plus. Vert. Vert. Mec, Et... il joue que du vert, quoi caca oh. ah bah parfait. Ah, ils sont là. ouais pas, hein. surtout pas. Hop! Tu fais d'abord plus un plus un marqueur. Je fais pas 2 2 2 là. Comme tu veux. j'aime bien avoir des gros boards. Non, vas-y, fais 2 2 2. je y crois y que c'est mieux 2 2 2. Et attaque hein Oh, j'attaque, je te dis. Je te dis que ça. Il est dans le contrôle, Zan. Alors que nous, pas du tout. Ah, bah là, c'est clair. Hein. On n'est pas dans non. le contrôle total, tu vois ce que je veux dire. On est dans la bourriche. On bourre. Ok. Il en a un de moins déjà. Il en a un autre. C'est pour ça qu'il fait rien avec ses apparitions, parce qu'il peut pas possible de token depuis tout à l'heure. Bon, bah voilà. Ah celui festival bon. pour 10 mana faire 2 de 2 Mec, t'inquiète, on est là. Je tue ça là direct. Bah ouais. Je veux une bête moi. Moi je vais attaquer. Tu poses étendu et tu lui fais croire que tu peux faire quelque chose avec. Ça me va. Mais il le sait pas, que tu peux plus rien non, faire. Ah ça me va, ça me va. C'est bien, on s'est battu tout seul, il a rien fait, et au bout d'un moment bah, il a juste des cartes en main parce qu'il a rien fait, et nous on a perdu parce qu'on a rien fait non plus. Alors que son deck n'a rien fait de base aussi. Ouais. C'est vraiment c'est du le... Il a joué une 3-3 vigilance. Même... vigilance pour 4, c'est même pas bon en draft. Ah ouais, c'est l'apologie du rien cette game. Ah bah spoiler, elle va pas marcher celle-là, Zan. Hein. Pas plus que Si la première elle a pas marché, la deuxième elle marcher encore moins. <laughs> Ah Excellent Ah super Un énorme port Je suis trop content J'adore les ports Vas-y bloque, il n'y a pas de galère Aucune galère Zan Est-ce qu'on peut piocher des actifs maintenant Vas-y mets-nous 6 euh, points de dégâts là Ouais ouais on s'en fout, on s'en fout. Enfin on s'en fout pas trop quand même, faire attention. Double artiste pour la mitraille Ah, ça picote. Hein. On n'a pas fait attention, mais euh, ça commence à poser des problèmes. Ah, t'inquiète. Hein. Il est à 22, j'ai une 11-11. 11-11. 11-11. Ouais, mais il a plein de bloqueurs. En oh, plein, euh, ça dépend. Hein. <coughs> bon, il y a des bloqueurs, oui. Quand même. Hein. Putain, il bandé. Son deck m'a bandé, hein, je te le dis. Hein. Ah, excellent. Oh! oh N'hésite pas à tuer les deux artistes de merde. Comme juste qu'on les appelle, je crois. Regarde, oui, oui. Pas plus cher. De, ma... de bien manger. Hein. Hop Allez, la plus zing, là. Oui, on sait, on perd des PV. Super. a compris. Et on est à 5. Hein. S'il sacrifie ouais. ça, il fait drain de vie 2. Ah, si j'attaque, je suis mort. Ouais. Énorme. Attends mais fais, fais le plus 1 déjà. Où est notre yes. assaut du festival Mais où on sont, est nos, où sont nos cartes Et l'assaut du festival. P pour, on, pourquoi on n'a pas de cartes dans notre deck, BL C'est parce quoi Je sais pas. Mais je t'ai dit quand tu m'as montré la decklist au début, je t'ai dit mais pourquoi il y a, y a pas de cartes actives dans et gros, il y a 4 vraines, 4 homnats et 4 à l'assaut du festival, ainsi que 4... Felidar Retreat, je peux pas faire mieux moi. Mais je sais. Hein. Oh, je refais un token là. Non, 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 non. Et non. Et non, tu vas chercher à l'assaut. T'aurais pu se crier un avant. Ah oui Ah oui, avec Rose à mon ami. On enlève encore un vrai. mais <coughs> bah écoute, au pré... <coughs> oh, non, il, y a... il faudrait des Eternal Witness dans le deck. Eh ouais. Oh, c'est bon les de merde. Tu vas lui donner une leçon, s'en fout. Ah non, faut ouais, pas lui ouais. donner de leçon, on est mort là. Il va Et non, on a gagné stress. là. Val, on a gagné. Bah ben non, c'est lui qui a gagné. <laughs> mais pourquoi tu, tu lui as voir. donné une leçon Je sais pas, j'ai oublié. Moi ah, je bah vais long attaquer, Val. Ah, voilà. On peut pas perdre contre un mec qui fait des 3-3 vigilance, putain. Mais non, regarde, il tue pas la 13-13, il va chercher ça. C'est bon. Ah ouais, mais merde quand même. Bah ouais, merde. Si, on a perdu, je te le dis. Hein. Ah, pas perdu, Val. Oh, regarde. Non, mais ah là, de si. festival, plus un encore bah, Je sais pas. Je me pose. Ah la non question. non non. Je fais un token. Non. Je veux bien avoir un peu trop la game, mais il faut pas non plus être trop complètement. Ok ok ok. On fait un token. On fait un refuge. On, on fait peut un token. Pas avoir un, un seul. Euh, là, je mets des marqueurs, je crois. Ouais, il a que deux bêtes au sol donc. Euh, des marqueurs. Ah bah ben non, attends. Putain, si on n'a pas un bloquant, on est mort là. Mais c'est vigilance. Ah oui, mais bon. Il, il met un coup de 15, mettre un cinquième bloqueur là. Mais de toute façon, on peut bloquer. Euh, ça, ça ne peut bloquer que les deux au sol. Donc un cinquième bloqueur, ça change rien. Ah oui, ok. Cinquième bloqueur dans tous les cas, il y en a un qui bloque pas. Oh, il prend 15. Non, mais il, va moi, je suis Val. Val, il va perdre. Va, il va perdre. Je crois pas. Hein. En plus, il sait pas qu'on a plus de... de créatures. Faudrait pas qu'il refasse un jeton sang, là, si tu vois ce que je veux dire. If you catch my meaning, faudrait pas non plus qu'il ait un anti-bête. Il n'y a I rien, know. là. Ah, si, il faut, faudrait qu'il ait ça. <laughs> Capitaine Inquisitrice. Je comprends ce qu'il veut faire avec son deck hein, mais Dieu que ça m'emmerde. C'est emmerdant, hein. Ah c'est pas mal hein. On va perdre Vren hein, spoiler. Hein. Eh ouais. Pas de galère. Pas de galère, pas de galère. <laughs> Alors il pouvait attaquer avec 3-2 et 4-4 sur nous, on pouvait pas double bloc à 4-4. Ouais. Ouais, mais il, avait pas de galère. il sait pas qu'on a pas de basique. Ah, c'est eh. bien vu ça! Ouais. <laughs> eh, bien joué! Ça, T'es vraiment génial! Putain, mais non, c'est toi! Ok, ça, ça proute. Ça, c'est prouti prouta, ça. On rien à foutre de ça. Yes! Oh, putain, il est là, lui. Oh, enfin, il a tendance. Yes. Putain, On a failli l'attendre. Putain, je cru qu'on n'y arriverait jamais, oh. Ça, ça fait plus grand chose, ça. Mets le Scry. Mets-y le Scry un peu. Après, tu mets plus un à tout le monde, là. Moi, oh, je mets des en... marqueurs, là. Oh, con. Oh, je gagne 4 peuves, là. Je Mais me... les 4 peuvent sont salvateurs, hein. Bon, il n'y a que des landes dans ce deck, genre, vraiment. J'ai dit au début de la vidéo, vous plaignez pas, hein. C'est faux, plaignez-vous. Ah oui, allez-y. Plaignez-vous à gorge déployée même. Vas-y, vas-y. Bouibouit. Je crois que ces decks-là, là, les decks noirs neigeux, c'est en train de devenir les chafours de 2021. Et du coup, de 2022, je ne peux plus les voir. Il y en a marre. Tu sais, ceux qui se raccrochent à la vie, là, petit à petit, comme ça. Ah oui, ceux qui courent. J'en peux plus. Mmh. Ça me fatigue de jouer contre ça. Et il fait train de vie... Euh... Beaucoup. Oula, oh, hé, eh oh Arrêtez Attends, il fait drain de vie. Il de, de vie 3, 3 là avec là. son token. Là, il fait bras sans les morts. Oh là là, ça ah joue oui, ça, 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 je connais ça. Ça, c'est de la merde, ça. C'est terrible. Il faut Genre que l'homme-nut le reste avec... en vie là. Allez, passe le tour qu'on gagne 4 pèves, on a besoin. Il est terrible son deck. Ah, mais il croit toujours qu'on peut gagner 4 pèves en éphémère. Eh oui! Mec, c'est la tech. Oh putain. Excellent. Oh yes. Oh excellent. Attends, gagne d'abord 4 PEV. Oula, ou oh, attention. Quoi que tu fasses. En bleu, je le bluffe. Gagne bien tes 4 pèves. Oui, oui, mais des, mais des marqueurs. On n'est plus à ça près. Et on va tuer une de ces deux merdes là. Un artiste, on est d'accord Oui, oui. Oh, il est gredin. pour les, les artistes, de toute façon. Tout ce qui est art, c'est pas pour moi. Tout ce qui est artistique, vraiment, j'exècre. Donc, euh, ouais. tu peux y aller. D'ailleurs, tu m'as dit, si ça ne tenait qu'à moi, euh, les cartes Magic, ce serait un carré de couleur à la place d'illustration. Ah, ben bah, le ou non. Euh, moi, j'adore. Des chiffres, voilà, c'est tout. Des chiffres et du texte. Seulement des maths. Là, il va falloir bloquer un peu de bête là. Et 19-19 et commence à être trop cossu. Il on veut garder un va finir par cette game. Peut-être hein. Alors là, il va perdre 3 bêtes. Donc on passe à 6. Il peut sacrifier ça, on passe à 3. Et il pense toujours qu'on peut gagner 4 PV. Et ça c'est excellent. Ça c'est excellent Mais ça. ça. Excellent ça. Ça tu vois euh, dans une partie, une vraie partie avec un adversaire euh, véritable, à la fin je lui dis j'avais plus de basique. <laughs> ah, tu, ah tu lui dis toi Il faut pas lui dire, c'est comme montrer ton jeu au poker. Ouais, mais c'est faux pas, si j'ai gagné. Ah tu, tu, lui dis, tu lui dis pas entre la une et la deux, tu lui non, dis non. à la fin de la guerre. Pas entre la une et la deux, sinon il peut compter, il se dit ok, je sais combien t'as de basique. Et non. Ah, okay, à la okay. fin okay. quand je l'ai battu, je me retourne, tu le fais... Je ma club par terre, je jette un briquet <laughs> sur de l'essence et je fais j'avais plus de basique. Il fait... <laughs> non <laughs> Trop tard dans un animé quoi. Ouais. Ah bah tous mes GP je l'ai fini comme ça. Au fait, Yugi. <laughs> Waouh. Wow. Quel style, c'est qui C'est le mec qui a fait 3-3 et, et out. Waouh. <laughs> Mais il Enfuge. a brûlé toute la salle avant de partir. Oh rien 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 bien. Il va enlever refuge Feidar. Je touche là. Et alors Ah tu touches Ah touche pas. Et finalement touche pas, je touche. dis non non. C'est bon. Putain, il est bon. Mec, on le mettra dans le titre. On a trixé Zan Sayed. PL, il est bon dans le titre. <laughs> mais il est mort, là. Ouais. Ah non, putain, il a ça. Qui est plus un, plus un. On s'en fout. Tu dirais que Zan c'est ta chose on a les Euh... Non. Non, pas, hein. non je le dirais pas, mais... Je le dirais pas. Presque. Je l'ai dis pour toi, écoute. Alors là... Ce qui se passe Val, c'est qu'il peut donner tout son board et on meurt. Et il se Donc dit qu'on meurt pas avec 2 19-19 du coup. Il se dit qu'on meurt pas parce qu'on a étendu sauvage, mais en fait on meurt quand même. <coughs> Attaque juste avec les 19-19 du coup. T'as compris Comme ça on passe à 2. Et derrière, est-ce qu'on qu meurt qu on est mort Ah putain, mais attends, derrière, on, on va... On va ah, non, non, bloquer. il est obligé. Okay. Cadres, ouais. Ouais, mais il va attaquer avec une 2-2 qu'on doit bloquer. et Ah non, du coup, c'est bon, je crois. Oh, je sais plus, je m'en fous. Il croit toujours qu'on gagne 4 pèves. Hein ah bah non, mais il peut il quadruple bloc en fait. <laughs> ah putain, mais il s'en bat les couilles du coup qu'on puisse gagner 4 pèves. Bah là, il tente. Putain, je crois que c'est toi sa chose en fait. On est tombé dans le Genjutsu. Et du coup, il fallait attaquer avec tout. Eh non parce qu'il bloquait bloqué c'était pareil. Je pense que c'était le bluff de trop quand t'as caressé ta carte. Ouais. Oh Dame, on est mort. Je pensais pas mourir comme ça. Vas-y craque ton fetch. Montre-lui. Yeah. Putain. <laughs> Quel enfer. Il a pas cru. Plus tu cru mmh, Non, non, tu veux pas de negate. Ouais, je crois que tu veux ça. Hein. <laughs> oh, je veux des commas contre lui. Ouais, vas-y, mets des commas. Rajoute des commas, on s'est fait chier dans cette game. <laughs> Enlève un à sortie du festival. Yes. Et... Euh... Et 400 scènes dans les friches, elle m'emmerde cette carte. Non, 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 quand même pas. C'est si bien que ça, Sandroclass, mais c'est pas ultime non plus. Hein. Non, en fait. Même fissuration, on s'en fout. Hein. Et j'arrive un blâme. Tu peux enlever un Florédron. Vren, c'est pas fou aussi. Non, Vren, c'est pas mal. Ouais, non, j'arrive un Land. Allez, c'est vrai qu'on pioche que des Landes, De la merde. <coughs> ok. On a rentré juste des communs parce qu'on s'emmerde, c'est une belle... Euh... C Putain, bon. il a c cru bien. à ton bluff toute la game et quand tu as caressé ta carte, il s'est dit Ah ça c'est trop. Putain, c'était grossier. Ouais c'était grossier, t'as été grossier. J'ai eu l'outrecuidance de penser que tu avais mine, euh, mine fuck Zan mais pas du tout. Pas du tout, je serai moins outrecuidant les prochaines fois. C'était mieux de dire rouge, ouais. non, on a side aucun contre. Ah non, pour Coma, ok. Ah ouais, Coma, il faut deux bleus. Donc je commence tôt. Bien ah, mais putain, arrêtez avec ça, j'en ai plein le cul de ce passe Si. Ils sont dit, on va faire une 1-1 pour 1, elle est vole et elle fait drôle quand elle meurt, une carte de notre choix. Mais comment ça Puis en comment plus, elle est moche. En plus, elle est laide, avec son énorme oeil en vrai, est-ce que ça fait si peur que ça si tu le vois en vrai Ouais, quand même. Ah, quand même. Hein. Quand même, je. je... je que tu vois, ils sont gros œil là. Euh... Je dis n'importe. Tu kiffes pas, hein Je te le dis, hein. Voilà, là, ça c'est une séquence, ça. Ça c'est une séquence qui m'édoue, tu vois. Voilà, ton prochain c'est Omnath. Qu'est-ce que tu vas faire là Non, Zane ton prochain c'est Refuge Token et Omnath, euh, Land le tour d'après. Ah ouais. Là je crois. hein. Oh. Moi, je suis sûr même <laughs> ok parce qu'il y avait aussi Vren euh, Token euh, qui nous trouvait des landes derrière t'inquiète TKT on Et est qui là. est dans le Genjutsu là il peut pas win parce que les drops 5 il les gère pas avec ses apparitions si jamais c'est vrai bon il gère avec ça oh il passe son tour pasteur Oh, 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 oh. Bon, bon, là je suis quand même euh... vrai parce que je trouve pas de land bah ouais. C'est dingue ça, cette chance. Je moins de 3 d'abord. Chance que l'on a. Tu vas chercher des landes ou pas Prends des landes, non oh, je fais un 5-5 d'abord. Ok. Mec, c'est propre. Prendrait bien un 5-5 d'abord. <laughs> Vous voulez pas un land euh, Non, juste un 5-5. On met <laughs> pas des landes d'abord C'est bien. Ah, j'aime ah, bien y cette y y vidéo. Y Et tu vois ce que j'aime bien, c'est que. Pro, hein. Ouais, c'est qu'au début, tu me dis, franchement, ça va pas trop. Euh, ce serait bien qu'elle dure pas trop trop longtemps non plus euh, que je tousse pas trop et tout et euh, je vois cette vidéo qui dure bientôt une heure et où il se passe de la merde et je me dis putain je suis désolé voilà. non mais on passe écoute je passe, un, passe bon un bon moment. moment je passe un bon moment ouais. et si on gagne cette game je finirai par vraiment un moment d'extase <coughs> tenez-vous prêt ça arrive oh oh punaise Ah ouais, il n'y a vraiment pas de land dans ton deck. Hein. Alors je peux refuge, euh, land, il se passe des trucs. Moi, ouais, ce que tu vas faire, je crois. Hein. Ou je peux landomnat. Ah, quoi, je là? peux aussi cobra, euh, omnat Ah bah, cobra, omnat alors. Vas-y, j'aime bien. Ah, j'aime bien. C'est mon petit péché mignon là. J'ai quoi Bleu, vert, rouge, blanc. Donc peu importe. Normalement, c'est bon. Tu peux revenir en arrière quand tu as sélectionné la. Non, on va prendre un land, s'il vous plaît. Quand tu as sélectionné la mauvaise euh... couleur avec ton Cobra, ouais. tu peux faire CTRL Z. Est-ce que j'attaque avec une 2-2 C'est pas mieux de garder tout en bloc, là, vu qu'il a deux volants T'as raison. Bah, deux volants, ça veut juste dire que je garde ma 6-6. mais... Ah non, reste... mais je crois que tu. Putain, avec la 2-2. Oui, oui, faut... il fallait attaquer avec la 2-2, mais pas avec la 6-6, ah. pardon. Attention Oh, ah Elle a marché essayé. Il a rentré des bêtes. Elle marche. Putain, il nous a battu en jouant des 3-3 pour 4, gros. Eh je sais. Oh putain. Ça, c'était vraiment le duel de euh, euh, Itachi et Sasuke, quoi. Sasuke, il pense avoir mis Itachi dans le genjutsu alors que c'est lui qui y était en fait. La game d'avant. Hein. C'est une catastrophe, hein. Il s'est joué de nous, vraiment. On va bloquer à 3-3. On veut juste trouver des lampes, de toute façon. Deux jetons 5. <coughs> <coughs> bah, vas-y, un plus un. Oh, coma. Petit temps, je suis parti trop tôt. Je fais un petit refuge, Refuge, lande, refuge. Euh, et on bourre. Tu peux faire refuge into tout refuge aussi si jamais euh... Euh... Ah non t'as commencé, tu pourras pas. J'ai deux bleus déjà, ouais, je vais dire vert. <coughs> ah oui non, je peux pas. Marqueur. Marqueur Lewis. Oh, super ça Parfait. Keep. Je sais plus s'il si y a grand chose à trouver. Ah mais non mais c'est nul. On a déjà vrai Neomnat. Et il y a trois bah, trop de Donc ça va rien trouver. Mais ça va trouver plein de landes pour faire plein de triggers. C'est vrai bon. ça. Euh, est bon. folie. Juste avec la est 8 quoi, 8. Avec lui, non ah, ah non, on va faire des blocs de merde. Ouais. C'est vrai qu'il y a son invitation au mariage euh, qui nous casse les, les bonbons. Ok. Ah ouais, d'accord. Bah on tue trois bêtes. Il hein. n'y a pas d'artiste. Bah ouais. Si tu veux le veux, il n'y a pas de galère. Hein. Non non, il y a aucune galère, vraiment. Le, la galère n'est pas présente. Je parle du bateau. Oui moi aussi. Là où on envoyait les, euh, les condamnés à l'époque. Et oui. C'est de là d'où vient l'expression. Ça commence à faire beaucoup. hein. Non. Ah, si si, je t'assure. Ah si si. Après on a 23, bientôt 24. Et on voit c'est à l'assaut du festival 1, 2, 3, là. 3 4 5 6 7. Euh... Let's go. Worldland. Oh, <laughs> ouais. Vert. Tu fais euh, plus un token Plus un token, je pense. C'est bien ça. Oh, attends, je peux, tu faire, peux coma. faire coma. Coma, hein. bah ouais. Oh, c'est bien ça. Ne va oh, pas je... te priver, dis donc. Hein. J'ai pas landé en plus. Ne te prive pas. Oh, je mets du bleu. Ça sert à rien. Mm. Ah, plus est. Hein. Toujours, hein. <laughs> oh je peux refaire quoi. oh je peux rejouer tout ce que j'ai. Ah, oh, à... je vais avec tout là. J'ai dans la main. Ah, oh, je m'en fous Val. Je lui donne sa non, leçon, j'en ai rien à foutre. Ah oh oui, bah sa leçon là, euh... il va juste la prendre ah, Il fait. peut se la carrer où je pense. <laughs> non, il va apprendre sa, non, sa je leçon. Les ça y est. On rigole, hein. aucune animosité. Oh, il a le beatdown aérien. Mais nous, on a le big down tout terrain. Il va essayer de gérer ton coma et il va réussir. Et on va avoir une 3-2. Et il a réussi. Bien joué. Bravo. C'est fou. Hein du coup, j'aurais peut-être dû le poser après. Ah, je pouvais pas. Non, non, t'inquiète. Ça, tu vas blâmer ça 4-4 à la con, là. Et c'est exactement ce que je vais faire Val, je vais blâme sa 4-4 à la con. Vas-y Je le fais pas, maintenant. Hein. Ouais ouais ouais. Dégage. Pas là, pour, pas là pour se poser de questions. Ah j'aurais pu à l'assaut, c'était mieux. Non pourquoi bah, Parce que je ah, trouvais... Ah si tu trouvais des lampes tu faisais blâme aussi. Ouais. Bon c'est pas grave, tant pis. Bon, je peux quand même attaquer avec des bêtes là. Hein. Ah tu vas attaquer avec quasiment tout, je pense. Bah tout même. <laughs> Attaque avec tout, ouais. Je le dis vraiment. vraiment fait, merde, voilà. Cette fin de vidéo, c'est vraiment pas de s'emmerder. C'est d'attaquer sur le bouton attaquer avec tout, le plus possible. Ah, ouais. ah il peut encore s'en servir comme token 100, c'est rigolo. Donc il peut sacrifier une chauve-souris. <laughs> une carte. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais. C'est <laughs> une ça bonne chauve-souris. Bonne bête. Et on est mort là, Zan. Non, il va gagner des PV dans l'équation, gros. C'est un lifelink Bah non, il va prendre 10. Ah non Ah non, non, il a pas de, <laughs> a pas de mana. Et il a pas de mana, ouais. Ah, il mais non, raille, avec artiste il va gagner ses PV. Et il les gagne après Donc euh, il sera mort. Ah Normalement. C'est mieux là. Non plus. Ça y est, il est vivant. Et des fois qu'ils lui prennent l'envie de revenir, je vais jouer de refuge Felidar. Vas-y, montre-lui ce que tu vas faire s'il revient. voyez oh, y a du trigger quand même. Wacon Calmez-vous, monsieur. <coughs> ah, j'ai qu'un à blanc. Oh le con. Bah, je pouvais pas faire autrement Ah oui, j'ai qu'un à blanc. On oh, retrouve pas mimic dans mimic dans mimic dans mimic dans mimic. Ah oh, putain il a ciblé donc il a trouvé mimic. Il oh, je... oh. s'arrête quand lui Oh Zan es insupportable aujourd'hui. Je sais pas ce qui t'arrive. T'es intenable. Je suis au fond la PL, vraiment. Je suis au fond. End of toujours Si on perd cette game, je suis... Au fond, faudrait que j'aille te chercher au fond du trou. Ah oui. Et encore, tu voudras pas en sortir. Je te connais. <laughs> Peut-être pas, non. Et là, il fait face d'attaque parce qu'il a la haste et on perd. Imagine, imagine seulement. Bon, à l'assaut là, c'est bon. C'est bon, j'en peux plus. Oh, petite étendue, hein, tranquille. Oh, il y a du trigger. mets un marqueur, t'attaques avec tout, tu vas lui mettre un, un ping de 4 dégâts. Je mets deux tokens aussi. Ah non, fallait le faire dans l'autre sens. Sinon, là, ton token, il sera 2-2. Ah bon Ouais. Ah non, non, pas du tout, j'ai de la merde. Oh, c'est bon là. Pas du tout, je dis n'importe quoi. Je dis vraiment full caca, euh, ne m'écoutez pas. Hein. Euh... V1. VR... Blanc. C'est la fatigue. J'y mets tout. Là, Et putain. là tu fetch, maintenant je pense. Et là tu mets plus un. Il y a encore un petit token je pense. Ah ouais toi tu veux le submerger quoi Ah oui oui je veux qu'il arrête de bloquer mes créatures là j'en ai marre là. ouais ça je Garde le gagne ça en important de gagner des PV quand même à un moment donné tu vois Cesse donc de bloquer putain il a le culot d'avoir un double bloc en plus mmh. ouais, alors il faut que je mette un marqueur de plus mais c'est pas grave je m'en fous Val je m'en fous plus. Zan on en peut plus Zan, stop. Stop it, Zan. Oh, ouais, je yeah. l'ai MP Twitter, là. Zan, we are recording some video. Please, uh, concede the game. Please, couche-toi à la troisième. Euh, au troisième round. We are going to die recording this video. Do you rends-tu compte? Le mec, si peu, là, il est en live. Il vit sa meilleure vie. On va perdre au time-out aussi, hein. Attention, hein. 10 minutes à la cloque, hein. Oh putain, il y a une autre game derrière, terrible. A game dans le game. Là, il s'en sort, là, tu vas me dire Mais oui, il s'en sort, putain, mais s'il s'en sort si, de ce tour, ce de deck, je là. cague. S'il se sort de ce tour, je cague par terre, voilà. Putain, il y a un artiste. Il y a un artiste, gros. Et La je fais un artiste. land, marqueur sur tout, j'attaque, c'est fini. Oh, Bast Oh putain! Oh vas-y! Oh, je lui chie dessus! Oh, ta carte là comme un énorme! Euh, double land, non? Ça il y a un land! Ouais, oh, ouais! Omnat t'es un land! Let's go! Ah non, je fais double land! Et on s'en fout, non? Pour faire deux marqueurs, parce qu'il y a. Ça fait trois marqueurs! Chaque land fait trois marqueurs, tu t'en fous, non? Mais omnat comme oh, oui, ça, tu gagnes des pèves! Ad admettons qu'il survive! Moi, il me fait peur maintenant, Zan! J'ai beaucoup de respect pour lui! Marqueur. Parce il nous, a... il nous Marqueur! A Marqueur! Marqueur! 4 pèves! Rien. 1, 2, 3, tu 4. 5, 5 6, 6, 6, 6, de plus, hein. 7. Land. Marqueur. 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 <laughs> Peter Marqueur. <laughs> Alias Spiderman. Attends, tu peux faire à l'assaut du festival. À ah, ah, l'assaut du festival. <laughs> oh, si. Land, Land. Putain, t'as pas pris le fetch. Je m'en fous. C'est pour à gagner du temps. Marqueur. Ah, marqueur. Ouais, marqueur. 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 <rire> marqueur. <rire> marqueur. Ah, j'aime bien, là <laughs> Je lui fais comprendre, je lui dis à bord, « t'arrête un peu, là T'arrêtes, <laughs> Je lui dessus. Arrête « Arrête Arrête !» Ah, il s'en bien Combien il y a à là Il a écrit quoi, là Yes. Et écrit moins de 81 yes. C'est la fin de cette vidéo On fait la game 3 Et... Ah Oh, je... c'est bon, j'en vois, là. Attends, est-ce qu'il faut sider un peu, Viteuf, là, pour rire Viteuf, c'est le mec avec la crête jaune Ouais, lui-même. Doublé par Donald Regno. Mec, c'est let's go juste. Attends, 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 je te sens Ou alors pressé, je mets ça, là. là. Eh ouais, je me pose la question. mets, mec, mets y un petit coup de ça. J'en mets Dans un. J'enlève un vrai. Ouais, j'allais dire, j'enlève un vrai. Vas-y, vas-y. J'en mets un. Allez, c'est bon, let's go. Mec, c'est la tech. L'incendie à la Mais maison, là, il va jusqu'à Zan, t'es pas prêt on débarque là. On va dire vas-y vas-y, développe du port, développe, fais voir. Et vas-y, bah, pas il en face, il y rien. Et d'un coup, bim Parfait. Là tu fais Florédron euh, en land. Ah ouais Je le fais pas tour 2 Ah eh non, il va te le gérer. C'est bien vu ça. Ah il est méchant hein Oh c'est malin. Ah par contre on joue 6 minutes du coup. C'est pas grave. Et voilà, je peux plus le blairer le space mail. Ça, tu peux garder hein, pour le late game, non Et on n'a pas de, de plus tard. Ah ouais, tu penses Ouais, mais ça va ça va, ça va monter. Bon. S'il si, si dit ça va, alors ça va. D'ailleurs, là, si ça, ça, ça trouve monter. pas l'end blanc, on peut pas jouer. On fait T'inquiète. Vais ce que ça trouve. Regarde donc. Oh, je te dis, on joue Simic ah. cette game. Parfait, gros, putain. Comme j'ai pas landé ça, on peut pas jouer Omnat. <coughs> bah, de toute façon, on pouvait pas jouer note tout court. Ah, bah là, si on trouve Land Blanc, euh, on pourrait jouer Omnat. Bon, on trouvait pas Omnat. Euh, tu je veux pas fais Land Ouais. Bah, ouais. Ah, je garde, hein. Là, tu fais un token ou tu fais plus un Je crois que tu fais plus un pour protéger ton vren, hein. Sinon, ah, sur Antibet, il nous tue. On trouve 3 landes oh, Nice, ça. Beau ça. Euh, à l'assaut, ça peut dégager, non Quoique non, je vais en faire ouais, deux tu... coups sur coup euh... Bah, enlève le val de rocher... Ah non Ah putain, enlève la s'installer dans les friches, ça ne sert plus à rien. Mm. Et un à l'assaut, remarque. Ouais, vas-y, vas-y. il est déjà dans, dans la machine à value, là, il le sait pas, Zad. Il est 34, non, hein, faut se bouger le fion. Vas-y, vas-y, je te laisse les commandes. Pilote bien. Je les avais déjà. Pilote-moi ça. Non, mais euh, t'as la primeur, tu vois. Ok. Le but, là, c'est de jouer rapide et efficace. Ah, ah la tu l'as avant. Ah ouais, direct à l'assaut. Ok, d'accord. Oh, ouais, ouais. Toi, t'étais pas là pour, euh, pour t'amuser, quoi. Si tu fais ça avec étendue, tu peux rejouer un spell. Hein. Donc, vas-y, hein. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Non en je vais veux le perdre ça. Je vais le perdre en fetchant. Je... Ok. Donc fetch donc. Ouais. Euh, tu veux pas plutôt blâme son artiste Je peux. Ouais, je préfère moi. Que tu blâmes l'artiste maintenant. Après je peux euh, refuge, faire zéro double landé, je fais des tokens, je pars en couille hein. Ok, vas-y, pas en couille alors. 2-2-2-2. Mmh. De, 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 de. Ouais, ouais. Ça nous permet de refaire des assauts du festival assez rapidement en plus. <laughs> euh... Ouais. Là, il va pouvoir gérer le, le vrai mais c'est pas trop un problème. Bah vu le mana qu'il a, en fait, il est un peu, un peu limité. Donc euh... Non, non, mais as, je pense que t'as raison. Il fallait lui faire les plus, les plus imposants possibles pour essayer de finir cette game rapidement, vu qu'on est à 7 minutes de clock. Ouais. Oh bon, là, je vais piocher la, la Vras. Et ça proc pas. Putain, il est juste en créature. Hein. Dès qu'il a 3 bêtes sur le board, c'est no progrès ouais. hein. Bah là, à l'assaut du festival, non je peux pas. Ah, tu peux pas Non. Tu... Ah, ah tu peux en posant et en fetchant ouais. ouais. Bah, fais-le. Hein. Je pense qu'il faut l'écraser, gros. C'est un insecte, là, euh, actuellement, euh, Zan. Là, tu fetch On pouvait d'abord passer par Cobra, d'ailleurs, mais bon. Je... Euh, oui. Il a un peu précipité. Il en reste deux basiques, il faudra s'en souvenir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais c'est ouais, <laughs> bon. Bah écoute, l'an des refuges. Hein. <laughs> tu vas aussi tuer l'artiste, je pense. Plus un token. Il est bien ce jeu, non Ah, j'adore. C'est vrai que quand tu vas au late game, c'est démesuré ce qu'on propose. Euh, Est-ce qu'on avait l'étal si je mettais un marqueur de plus Non. Non, tu le passais à 1 avec un marqueur de plus. Donc tout va bien. Ok, 6 minutes 9 de clock. On propose des trucs non, euh, bon. très méchants. C'est bon, c'est bon. On est bon. On a les droits, PL. J'ai peur d'y croire, Val. Est-ce que j'ai le droit Est-ce qu'on a le droit au bonheur Je n'ose y croire. C'est vrai qu'en ce début de 2022, ça ferait quand même plaisir euh, de finir cette vidéo sur une bonne teinte. Tu pourrais mettre dans le titre « On joue contre un mec qui aurait pu être champion du monde un jour ». Comme ça, il y a <laughs> champion du un monde. Un potentiel champion du monde. Non, ça, c'est un, un peu trop gros. Non, il faut quand même que les gens puissent y croire. Non, mais il est fort, Zan, mais... Donc, il pas passe, assez pour hein. être un candidat oh. aux champion du monde. Oh, oh j'y vais, voilà. C'est un a... super joueur du circuit Star City Game pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a deux bêtes il qui il sont vous, vous pouvez le retrouver sur Twitch. Il fait beaucoup de brou, c'est-à-dire qu'il a un très très bon niveau en jouant souvent des decks maison, à l'instar du deck qu'il nous présente là. Après, il est ni Rivals League ni MPL, donc c'est compliqué de préjuger de son yes. De niveau. Yes. Yes. yes yes yes, Du fait qu'il affronte rarement, bah, en tout cas pas régulièrement, les meilleurs joueurs de la planète. Quoi. Écoute, c'est la redoute. Il a perdu contre Valépe aussi. Voilà, donc c'est nous qu'on pourrait être un peu champion du monde quelque part. On, on est top, un hein, ador, là. Oh, quel plaisir, quoi. Par intérim. Quel plaisir. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a régalé. J'espère que ça va, Val. Voilà. Ah ben, je... Ouais, ça va aller. Je pense que si on ne gagne pas à la fin, c'est une vidéo qui est très dure. C'est une vidéo qui est très dure. Mais en tout cas, on s'est bien amusé et en plus, on gagne, donc ça fait plaisir. Publiez vos commentaires, partagez vos réseau réseaux sociaux, description, toutes ces façons de sur cette chaîne. Si vous nous suivez sur la chaîne pareil. Sur notre chaîne Twitch, veuillez Magic Arena FR, Et surtout, n'oubliez pas. C'était de la belle de magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.